ايش فيكم يا اخي؟ من بكري ترى اول النهار كانوا شماعش نحسهم فرحانين هاي الضحكه الودنين هنا حتى من الشمعه بداوا تفيقوا بالكعبه بالكعبه بتعرف كانت زي ايش اكثر نهار لحد ومات سايب كارا روحه ما عادش عندكم تبرمجوا ولا زي هزي كارا روح لدار بعد تجي تسالهم تقول له تدري؟ قلت لك نسيت أنت كمان بدينا هابي اند يلا شوية ضحكة شوية تحركوا نشوفوا الكتاب الناس اللي كلهم حيين بالنسبة للي مازالوا البروغرام اللي مازالنا اليوم في تيديكس أنسي دايوغ لي زيكسبير زوج انواع اون جينيرال فهموا فما الاكسبير اللي يحب يكون قريب من الناس ويبسط ويفسر ويعطلهم وفما الاكسبير اللي يحاول يصعب هيك يشدوا الطيارة يسر يا كدا سعد الامريكان بالانجليزي ولا يقول لك واي جي دبليو واي سي يو جيت وات يو سي معناتها لي زاكرونيم والحكايات هذوما صعب برشا فبرشا عباد يحبوهم ياسر بون ما نعرفش انا نتخيل الناس الكل يحبوا لي زيكسبير اللي يكونوا سامبل اللي يكونوا قراب اللي يحاولوا يبسطوا لكم المعلومه ويشوفوا لكم راهي الدنيا سهله راكم تجموا دخلتوا لونتربريز باش تعمل مشروع هي ودي سهل قال لك بزنس بلان قال لك الدنيا ودي كليم 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 وراهم حاجات سهلين مفيد عندك الفكره وهذاك اللي يجب ينفع ان تكون نجمو نكلاسيو اون بو نكلاسي عليه اون با بارلي اون فرونسي كوم سا اي فا نو كومبخوند اون بو كلاسي مسيو جان جاك فالوني دون سيت كاتيغوري ديكسبير كي ايسي دو روندر لا شوز بلو سامبل بلو فاسيل اي فا با فو ديبيتي اي فا با فو ديبيتي سو جان دو فراز دو ستيل لا تراسابيليتي كي جوغو لا ديكوتومي دو نو نو با دي تو سو سرا بروش دو تو الموند اون اكوي مسيو جان جاك فالوني. Vous le connaissez à travers l'organisation de Startup Weekend. Il est consultant en France et en Suisse et il va vous donner envie en sortant de monter votre entreprise. Merci. Super. Il est vraiment d'enfer. Il y a 25 ans, la Tunisie m'a accueilli. Et la première ville que j'ai découverte en Tunisie, c'était Kelibia. Et franchement, je ne parle que de Kelibia. Parce que Kelibia, entre la Mansoura, le petit Paris, et le fort phénicien, et quand on se balade sur la plage, on voit l'Italie, on voit la Sicile. Ça, c'est vraiment, s'il y a du tourisme à faire, il faut m'appeler parce que j'en ai vendu beaucoup. En 2000, je suis parti, j'ai fait autre chose, beaucoup de planches à voile. J'adore tout ce qui glisse, donc ski, planches à voile. Et puis, je me suis mis à la programmation informatique, Ribol, Python, HTML4, etc. Et c'est le seul endroit où on ne vient pas m'embêter. Quand je fais de la programmation jusqu'à 4h du matin, il n'y a personne qui vient me dire « faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ça comme ça, etc. » Et puis grâce au web, on fait beaucoup de choses parce que le web, il y a beaucoup de data gratuite, et merci, et ça nous permet à tous d'avoir le savoir et la connaissance. Et je crois qu'ici en Tunisie, en tout cas, ça vous l'avez. Parce que je suis tout petit par rapport à vous, parce que moi, je n'ai même pas mon bac, pour tout vous dire, mais à chaque fois que je suis en Tunisie, puisque 30% de la population a plus que bac plus 5, ben, je me retrouve avec des gens qui sont vraiment supérieurs à moi. Ça, c'est évident, en termes de connaissances. Et moi, ce que je tiens à vous présenter, c'est surtout l'entrepreneuriat. Comment avoir cet entrepreneuriat sans diplôme, en étant, comme on dit, un one-man show ou self-man-man, là. Eh bien, comment on arrive à créer des entreprises? Parce que l'entreprise, avant tout, c'est décider de faire un pari sur l'avenir. Eh oui, on vous l'a dit là précédemment, c'est ça. Il faut que vous soyez conscient au fond de vous-même que le jour où vous allez entreprendre, bah vous ne rentrez pas dans une société avec un salaire à la fin du mois. Il va falloir manger, nourrir vos enfants si vous en avez, votre petite famille. Vous allez décider. Et décider, c'est ce qui va vous faire gagner. Associer à du courage. Et ça, vous en avez. Et le mot est déjà venu tout à l'heure dans un slide, en parlant de Churchill, il y avait le mot enthousiasme. C'est-à-dire que si vous avez du courage et de l'enthousiasme, vous allez gagner. Ça, c'est évident. Pourquoi je vous dis ça?
parce que depuis plus d'un an, on m'a invité à être co-organisateur avec l'équipe tunisienne d'un concept qui s'appelle Startup Weekend. Et là, j'ai vu, en 3 sessions de Startup Weekend en 2011, j'ai vu plus de 200 bénévoles qui construisent les entreprises de demain. Donc s'il vous plaît, aujourd'hui la Tunisie a beaucoup de bénévoles. On peut les applaudir s'il vous plaît, les bénévoles, parce qu'ils sont un vrai poulet. Startup Weekend, c'est quoi? C'est 54 heures pour créer, pour tester votre idée. Vous avez une idée, oui, n'importe quoi. Eh bien, vous venez vendredi soir à 16h, vous rentrez dans l'amphithéâtre ici, vous venez pitcher votre idée 1 minute 30, tout le monde vous écoute, et après on vote oui ou non si son idée elle est bonne ou pas. Donc il y a environ 50 personnes qui pitchent. On forme 15 équipes, donc les 15 meilleures idées qu'on a retenues, eh bien on va tous les aider. Parce que dans la salle, il y a des designers, il y a des juristes, il y a des comptables, il y a des historiens, il y a des journalistes, il y a des webmasters, il y a toute la société civile qui est là. Et bien là, on dit, ah, ce projet était génial, j'ai envie de travailler avec lui. Alors on va le voir, ah, ton projet, il m'intéresse, je peux venir avec toi? Il vous dit oui ou non, il choisit, et puis il forme son équipe. Ensuite, on vous donne une salle, vous en faites pendant 54 portes dedans, on vous apporte à manger, hein, vous inquiétez pas. Là, il y a le café, à volonté, il y a tout ce qu'il faut pendant les 54 heures. Pendant ces 54 heures, il y a plein de gens qui viennent vous faire des conférences, des flash-conf, pour ne pas vous embêter, 10 minutes maximum. Mais on vient vous enseigner plein de trucs, un business plan, un business model, etc. Nous, on va en voir. Et le dimanche soir, à l'issue de ces 54 heures, eh bien, toutes les équipes vont passer les unes après les autres sur le podium. Devant, on a réuni un parterre d'investisseurs, business angel, investisseur, professeur, journaliste, etc. Et là, vous allez passer. Vous avez 7 minutes pour présenter votre projet que vous avez fait avec votre équipe pendant tout le week-end. Et 3 minutes de questions-réponses avec les membres du jury. Et là, c'est magique. Parce que qu'est-ce que vous apercevez? Qu'en l'espace de 54 heures, si on est 10 personnes à avoir travaillé, ça fait 540 heures de boulot. Et tout seul, ça, on ne peut pas le faire en un week-end. On ne peut pas fournir 540 heures pour valider oui ou non si un projet fonctionne. Ici, il y a des gens qui ont déjà fait le Startup Weekend, ils peuvent le dire, ils peuvent le dire. Il y a des projets ici, il y a des gens qui sont là, qui ont soulevé de l'argent, qui sont en cours de lever des fonds, comme on dit. Et ça s'est passé, là, au mois de décembre, à l'INSAT. Donc ça veut dire, c'est possible. Ça se fait parce que vous avez une ambiance de stimulation et de créativité, et vous avez toutes les connaissances. Il y a plein de designers qui font des choses extraordinaires, il y a plein de développeurs informatiques, il y a plein de journalistes, il y a beaucoup de gens comme ça ici. Il vous manque juste le truc de vous retrouver ensemble, parce qu'ensemble, on fait les choses. C'est l'équipe aujourd'hui qui fonctionne. Ça, c'est Startup Weekend. Donc, dès que vous entendez Startup Weekend, allez-y, foncez. Faites-en. Ici, ils veulent en faire un, courant juin. L'API, ils veulent en faire deux. L'INSAT, ils veulent encore en faire un. Esprit, veut encore en faire un. On était en novembre à l'ISAS, à Sfax, bon, etc., etc. Donc, c'est vraiment un mouvement qui est super. Après, le week-end, il faut travailler. Évidemment, c'est pas terminé, mais c'est un bon processus pour démarrer. C'est le week-end. Vous travaillez la semaine, vous allez à l'école, vous êtes salarié dans une société. Le week-end, vous venez et vous allez voir. C'est magique. Pendant le Startup Weekend, c'est une matrice qu'on n'arrête pas de travailler. C'est le business model generation. Et moi, je vous invite entre vous à le faire, à utiliser cette matrice. Vous aurez des cartes tout à l'heure, ou dedans, vous aurez la possibilité de télécharger la matrice. Donc, ce n'est pas la peine de prendre de notes. Écoutez. Ça, on est au resto avec des copains ou des copines. Voilà. On a envie de monter un projet. Et bien, vous allez voir comment ça se passe. D'abord, en premier, j'ai une idée. Ok, ça l'idée, c'est... Pff, ouais. C'est bien, mais... D'abord, Steve Jobs, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, qu'est-ce que je peux donner aux gens, avant même de concevoir un produit ou une idée? Il se dit, les clients, comment ils vivent? Comment vivent les gens? Vous les regardez.
Installez-vous à une terrasse, vous les regardez, vous les photographiez, vous les dessinez, vous les écoutez. Qu'est-ce que je peux donner aux gens? Et bien lui, Steve Jobs, il leur a mis un iPad, il leur a mis un super téléphone mobile, etc. Bref, il leur a mis plein de choses. Donc d'abord, vous étudiez vos clients. Ensuite, vous faites l'offre, vous faites le produit. Regardez, et la matrice, elle est intéressante parce que elle vous permet de faire la jonction directement. Vous venez de parler du client, donc vous êtes autour d'une table. Là, vous marquez ici ce que vous pensez, ils ont quel âge, etc. Là, l'offre, le produit qu'on va leur faire. Ensuite, la distribution, comment je vais vendre mon produit, mon offre, sur un site web, etc. Bon. Je vais vite parce que derrière, il y a un exemple qui, à mon avis, qui est plus probant. Hein. Voilà. La relation client, ok. Quelle est la relation que j'ai? Puis cette matrice, elle parle. C'est des dessins. C'est ce qu'on appelle du design. Hein, où c'est vraiment génial. Là, enfin, juste à ce moment-là, je vois l'argent. Comment je gagne l'argent? Mais d'abord, avant de voir l'argent, de dire je vais vendre des assurances et je gagne de l'argent, non, c'est pas comme ça qu'il faut penser. C'est plutôt comme ça parce que ça, c'est une matrice où il y a 500 personnes qui ont travaillé d'une manière collaborative et on the world. Donc c'est un gros, gros boulot. Ça a pris presque 4 ans pour sortir ça. Ensuite, les ressources. Quelles sont les ressources que j'ai besoin pour faire tout ça? Ensuite, l'activité. Quelles sont mes activités au sein de l'entreprise pour pouvoir faire toute la partie de droite? Ensuite, mes partenariats. Et ensuite, dans son atelier. Bon, bref. C'est qui ces clients? C'est les touristes qui passent le long de la rue? On peut imaginer ça. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'il fait comme offre? Il fait par exemple le cendrier avec le couvercle. Bon. Il les expose. Son modèle de distribution, c'est quoi? C'est du direct. Il fait office avec des revendeurs. Il fait un site web. Tiens, ça commence à devenir intéressant là. Un petit atelier d'artisanat. Le mec fait des petites poteries. Et puis tiens, il y a un webmaster qui passe, qui dit tiens, je prends des photos, je fais un petit film vidéo, je peux commencer à faire un petit site web, tiens, je peux commencer à vendre un petit peu, un petit truc. Tiens, ça commence à devenir intéressant. Quelle est la relation que j'ai avec mes clients? Je suis ouvert 7 jours sur 7. Je fais des bons de réduction. Ah, vous venez de m'acheter un cendrier? Bah tenez, je vous donne un bon de réduction. Si vous venez dans le mois, je vous fais 10% de réduction. Il offre du thé? Ou alors il offre un téléphone vert pour les joindre. Ensuite, son chiffre d'affaires. Il calcule son chiffre d'affaires. Ensuite, quelles sont ses ressources à lui? C'est sa production. Parce que ses activités, c'est la gestion de la chaîne de fabrication. Voilà, il faut que je produise 10 cendriers par jour, il a du stock, il faut qu'il s'occupe des colis, des expéditions, parce qu'il s'est associé avec un webmaster, il s'est associé avec un designer, il s'est associé avec un référenceur, il a un vendeur dans ses boutiques, tout cela, il les paye avec une commission, et ce monsieur, ou cette dame, eh bien là, peut commencer à monter un véritable business. Et évidemment, vous dites, mais c'est rapide ça, mais ce qui est intéressant, dans ce modèle-là, regardez, et vous allez le voir, c'est ça. C'est que je reviens, je dis, attends, mais mes clients, ils habitent où? C'est plutôt des Français qui viennent me voir, là? Il y a des Allemands? Ah tiens, je crois que le samedi, c'est le jour des arrivées des Allemands. Tiens, ben, les Allemands, ils préfèrent les assiettes comme ça. Et ben tiens, dans mon étalage, je vais plutôt mettre ces assiettes-là. Leur lieu d'habitation. Tiens, ils habitent à Düsseldorf en Allemagne. Bon, je vais peut-être faire un petit truc pour les... Voilà. C'est quoi la moyenne d'âge? Tiens, ah oui, on est à la Toussaint. À la Toussaint, il n'y a pas trop d'enfants. C'est plutôt les seniors qui commencent à arriver allemands. Tiens, ils préfèrent ce type de produit. Et ouais. C'est dans ce sens-là que le business model generation est intéressant. C'est parce que vous revenez, vous repartez en avant et vous faites des allers-retours en permanence pour que votre business soit au plus top. Et ça, je peux vous garantir, on a fait des business models pour le Maroc, mais extraordinaires, et dans des restaurants. Je peux vous garantir. Et les gens qui étaient à la table à côté ont vu le modèle, ils ont vu qu'on était en train de le remplir, ils sont venus nous apporter des idées. Donc c'est ça qui est génial. C'est que ça, vous mettez... Imaginez-vous tous autour de la table, vous êtes à 5 ou 6 autour de la table, et vous débriefez. L'offre et le produit, c'est quoi? Ok, on fait des cendriers, ok. Ah, mais
parler dessus, mais on n'est pas capable de mettre un prénom immédiatement là. Ah si, vous appelez comment? Vous appelez Marc? Ben venez voir. Là, le potier, il va vous faire votre nom là sur votre sur le truc, sur le cendrier. Et c'est comme ça qu'on crée, c'est comme ça qu'on crée du business. Hein. Ok. Et au fur et à mesure, on avance. C'est quoi nos ressources? C'est la production. On fait ça. Les partenaires. Est-ce que j'ai besoin de les avoir en propre? Non. Avec eux, je peux signer des contrats de partenariat et je leur donne une commission sur les ventes. Hein. Donc je ne m'engage pas. Et enfin, le coût de ma structure, bah, c'est le salaire, le matériel et le local. Je minimise au maximum. Voilà. Donc ça, utilisez-le au maximum. Et pendant un startup week-end, on le fait 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et ça permet de voir où est-ce que ça cloche. Alors c'est plus à ce niveau-là, plus dans ce sens-là, plus comme ça, etc. Donc on fait plein de triangulations et ça permet ben, de revoir sa copie en permanence. Et ça, vous n'oubliez rien. Ce qui est bien dedans, c'est que vous n'oubliez rien. Après, vous passez au business plan, mais vous avez déjà un modèle. C'est-à-dire que cette partie-là, la partie droite, c'est la valeur que vous allez créer. Donc là, c'est la partie plus. Et ici, c'est comment vous allez faire pour faire ça. Donc ici, imaginez que c'est un moins, et ici, c'est un plus. Donc, si c'est comme ça, si ça penche du bon côté, c'est impeccable. Ça, c'est l'exemple de Nespresso. Vous savez que Nespresso, avec George Clooney, Wattels, avant de faire ça, cette réussite-là, ils se sont pris un véritable gadin. Nestlé, personne ne le sait, hein. Mais ça a été une catastrophe. Parce qu'au départ, ils voulaient vendre ce concept du café de haut de gamme et tout aux entreprises. Et ça n'a pas du tout... Enfin, hop là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, si on peut remettre le truc, merci. Ça n'a pas du tout fonctionné. Et ce qui est intéressant, vous voyez, quand vous êtes un peu plus... Voilà, quand il y a des designers avec vous, vous êtes capable de faire un business model generation un peu plus élaboré. Merci. Voilà. Et eux, bah, par exemple, voilà, ça c'est leur client. Vous voyez? Alors, donc leur client, c'est plutôt des gens qui travaillent sur ordinateur, un bon niveau, écran plasma, on est dans un salon, on veut boire un café qui est bon, qui est excellent, on veut avoir du choix. L'offre, c'est quoi? C'est le café à la maison, un café de luxe. La relation, c'est je crée un club haut de gamme, une carte de membre. Comment je distribue? Je fais du téléphonie, j'ai des boutiques, j'ai une sacoche élégante, j'ai un site web, je fais du couponing, et là, j'ai mes revenus. Voilà, ça c'est toute la partie comment je crée de la valeur, et là, qu'est-ce que j'ai besoin pour faire cette valeur? Et eux, vous voyez, ils sont surtout axés sur le marketing, leur activité, donc c'est produire les capsules, les cafés, les livrer, et la com, parce qu'ils sont très forts sur la com. Georges Clooney, voilà, c'était excellent. Voilà. Et ils ont un partenaire qui fabrique les machines. Donc ils n'ont pas besoin d'investir sur les machines. Et ce modèle-là, qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez vu le nombre. En Europe, maintenant vous rentrez dans un magasin d'électroménager, vous avez un rayon entier de machines pour des machines de café à la maison, quoi. C'est énorme. Et ça, c'est Nespresso, c'est Nestlé qui a développé entièrement ce marché de A jusqu'à Z. Et après, il y a plein de gens qui ont suivi. Mais c'est bien de suivre aussi. Hein. C'est très bien. Hein. Le modèle japonais, vous savez, après la Seconde Guerre mondiale, tout ce que ça a fait, tout ce que ça fait hier, eh ben, eux, ils mettent les calques des voitures, ils superposent les calques de voitures les unes sur les autres, les calques, et après ils dessinent la courbe méridienne, et ils font la voiture idéale. Voilà. C'est un modèle, hein. C'est pas... Voilà, et ça fonctionne. Hein. Ah. Il me reste 36 secondes. À côté de vous, regardez bien la personne qui est à côté de vous. Parce que cette personne-là... Elle a envie d'entreprendre. Et si jamais vous sentez cette envie qu'elle a d'entreprendre... Eh ben oui, oh, là, a priori, il y a une entreprise qui est en train de se faire, une entreprise de bisous. Voilà.
Donc, on va clôturer cette bonne note. Faites des entreprises, faites-vous plein de bisous, et ça, ça fonctionne et ça marche. Et n'oubliez pas, Startup Weekend. Hein. Il y a des petits papiers, hein, si vous en voulez, comme ça, vous avez toutes les infos et vous avez l'information pour télécharger le business model. Ça commence à minuit, Startup Weekend. Hein. تعرف نجم الأمم الأفكار بتاعي والكل نجم يعطيه حاجة طيارة على الأخر المشروع مش واحد مش إحنا مش بشعمل مشروع ويكون سيد أمره كما قولوا